Salut à tous, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la carrière pro de mon joueur au RC Lens. On est toujours à 68 de général, joueur assez compliqué, on n'a pas de vitesse, on n'a pas de finition, on a un joueur vraiment pourri, donc va vraiment falloir tout simplement essayer d'augmenter le général du joueur. C'est assez compliqué, c'est vraiment compliqué avec le RC Lens, mais je m'attendais pas non plus à figurer dans le top 3, on est quand même 18ème. Là, va falloir entamer une remontada, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais va vraiment falloir entamer une remontada parce que là, on est très très loin au classement. Et je compte pas abandonner le RC Lens et je compte pas vraiment finir dans les trois derniers. Donc, au moins, remonter dans la première partie de tableau, ça serait pas mal. Avant de continuer la carrière pro, je vois déjà venir dans les commentaires: oui, Flo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as ton blouson? Pourquoi t'as ton manteau et tout? Les gars, ça caille énormément dans la pièce où je suis, j'ai mon chauffage qui a planté. Donc du coup, je pense que demain ça sera réglé, mais là, ça va faire deux jours, il n'y a pas de chauffage. Et comme je sais que vous allez me taper sur le doigt, vous allez crier « Où est la carrière pro encore une fois? T'as oublié la carrière pro ?» Je vais quand même faire la vidéo de carrière pro, ça caille un peu. C'est pour ça que je me dépêche et puis je rentre chez moi directement. Donc, concernant la carrière pro, on va faire vite fait un petit calendrier. Alors, on va jouer face au TFC, ensuite il va y avoir un match face à Dijon en Coupe de la Ligue. Et le dernier match de la vidéo, ça va être face à Marseille. Et là, je ne vais pas me faire avoir. J'ai pas envie de me faire avoir comme face au PSG, parce que face au PSG, je n'ai pas joué le match. Le match de Coupe de la Ligue face à Dijon, je vais jouer genre, je sais pas, 20-30 minutes maximum. Parce que si je joue toute une mi-temps en deux jours, j'aurais pas récupéré vu que j'ai pas une très très bonne endurance. Et le coach va pas me faire jouer. Donc du coup j'ai vraiment envie de jouer le match face à Marseille. Déjà que j'ai pas joué le match face au PSG, on va essayer de jouer le match face à Marseille, qui est quand même assez important. Concernant le classement, hop, on regarde vite fait. On a vu, on est 18ème, on repart tout de suite jouer le match, il nous faut absolument les 3 points. Je compte pas abandonner le RC Lens, je compte faire toute la saison, ça c'est une certitude. Maintenant, j'ai vraiment envie de finir dans la première moitié de tableau, même si je pense que ça va être compliqué. Je m'attendais pas à finir dans le top 3 de manière en prenant le RC Lens. Et c'est pour ça que j'ai fait cette carrière pro, pour que ce soit un peu compliqué et assez réaliste. Toujours la même composition, je suis toujours seul en pointe. Ça va être compliqué, d'autant plus que j'ai essayé de changer mon style de jeu. Je sais pas trop comment jouer avec cette compo-là, si je dois partir dans le dos de la défense ou plutôt attendre mes coéquipiers, parce que voilà, mes coéquipiers prennent énormément de temps à attaquer. Je vais bien voir, on part au feeling, on joue face au TFC à l'extérieur, ça va être tendu, mais on espère repartir avec les 3 points. Encore une fois, on touche pas la balle, et ça commence à être dangereux, ça commence à être très 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 dangereux. Non, c'est bon, non. La défense, vous êtes où les mecs? Oh, les mecs se baladent dans notre surface, tu sais, sans pression, hop, et moi je me retrouve solo. Mais oui, ça passe. Allez, on écarte là-haut. Allez les gars, bien joué ça, je suis parti, bien joué. Mais le petit dribble, le crochet, la frappe, mais oui les gars, 1-0, le réalisme, on est bon, pff, ça fait plaisir. Troisième but en championnat, on est bien, on commence très bien ce match. Allez les gars, on ne subit pas, voilà, ne te relève pas. Je vais gardien. Accouche gardien. Il m'a pas vu. J'ai tapoté le bouton, il m'a pas vu. C'est pas possible. Bûchu les mecs. Je peux en voir un qui mouille pas le maillot. Tout le monde mouille le maillot là. 8 matchs joués, 3 buts, c'est plutôt pas mal. Oh là, c'est un peu sombre, je vais peut-être mettre la lumière. Je sais pas si ça va passer. Oh si ça passe. Hop là. Non, je rigole. Bon allez. On est bon, on est bien dans ce match, on mène 1-0. On joue quand même face à Toulouse, on est à l'extérieur. Ça serait bien de mettre un petit deuxième là. Tu m'as vu. C'est mon ballon, j'ai dit. Monsieur l'arbitre, j'ai dit un carton jaune. En plus, vous avez vu comment il a voulu simuler? Il sait que j'ai un carton jaune. Il a voulu se tenir le genou et après, tout de suite après, il s'est relevé quoi. Non, heureusement, j'ai pas pris le rouge là-dessus. Hein. Enfin, le deuxième jaune plutôt. Là, il y a 10 défenseurs pour un attaquant hein, dans notre compo. Hein. Clairement, c'est ça, les gars.
Dessus les mecs, allez. Allez, on sort un peu là. Mais oui, mais oui. Allez, allez, donne tout. Donne tout, te laisse pas reprendre. Donne tout. Donne tout. Mais non, comment tu fais pour rater ça? Mais non, mais non, mais non. Il était cuit mon joueur. Et oui, j'ai des chaussures Kipsta, j'ai oublié de changer, c'est vrai aussi. J'ai des chaussures dégueulasses, c'est à cause de ça que je marque pas. Mais non, j'ai oublié de changer les chaussures, les gars. Et l'autre, il sait même pas tirer un corner. Il sait même pas tirer un corner. Je reviens pas. C'est pas possible, là. Il reste plus longtemps à tenir, les gars. Allez, il nous faut ces 3 points. Franchement, si je me blesse là-dessus, c'est chaud. J'aurais dû demander le remplacement. J'aurais dû demander le remplacement, c'est chaud. Non, j'ai rien, regardez, grosse accélération. On tape la pointe, même pas mal. On va se calmer en tout cas, attendez, on va se calmer. J'espère vraiment que je vais pas être blessé. C'est que j'ai quand même envie de jouer le match de coupe. Et aussi le match surtout face à Marseille. Mais regardez ce qu'il m'envoie. Regardez le ballon qu'il m'envoie, quoi. J'ai plus mal, c'est bon. Ni vu ni connu. J'ai cru qu'il y avait but. Ça veut dire que je suis blessé. Ou c'est pas possible. Il peut pas m'avoir sorti comme ça sans raison. J'ai pas demandé de remplacement. Simule la fin du match. C'est impossible qu'on ait fini sur un score d'un partout. On est obligé d'avoir gagné. Il restait 30 secondes à jouer. Je suis blessé pour combien de temps? Non, pas de blessure. Sérieux. Fermé. Il y a pas de blessure. Il y a pas de blessure. Non, il y a pas de blessure. Par contre, je vais juste aller voir le résultat. Calendrier. Victoire 1-0, les gars. Victoire 1-0. On est bon. Allez, on a pris les 3 points. On va avancer tranquillement vers le prochain match. Ce match-là, par contre, j'ai vraiment joué genre 20-30 minutes. Tu n'as pas été retenu. Bah, parfait. C'est encore mieux. Comme ça, je vais jouer juste le match face à Marseille. Je serai en pleine forme. Par contre, je compte sur vous pour gagner face à Dijon. C'est comme la Coupe de la Ligue. J'ai envie de continuer d'aller le plus loin possible en Coupe. Tout de même, c'est possible qu'on perde. Hein. Éliminé par Dijon en Coupe de la Ligue. Il ne nous reste plus que la Coupe de France. Tout va bien. Tout va bien. Éliminé de la Coupe. On est, je sais pas, on est combien. Je t'ai retenu dans l'équipe. Ça, c'est le match très, très important. On est 14e, les gars, quand même. On est sorti de la zone rouge. On était 18e. On est passé 14e. Marseille qui est leader. Ok, donc on joue face au leader du championnat de France. Pas de cadeau. Pas de cadeau. Les mecs, là, c'est full attaque. Là, je veux 4 mecs avec moi devant. Je sais que ça va être impossible, je serai tout seul une nouvelle fois les gars, on va jouer le match nul, mais en tout cas je vais mouiller le maillot. Quitte à être blessé, je vais mouiller le maillot dans ce match. C'est parti pour le dernier match de la vidéo face à Marseille. Non, pas dès le début, pas comme ça. Merci gardien, merci Rio. Je pars dans le dos de la défense. On accélère le contrôle. Magnifique. Il y a des fautes, ça passe. Comment ça passe? Je sais pas. Ouais, ça méritait pas de rentrer. De manière, ça méritait pas de rentrer parce que là, j'ai eu un énorme compte favorable. Pour l'instant, ça joue bien. On défend plutôt pas mal. Allez, dessus, les gars. Dessus. Dessus, les mecs. M'obligez pas à venir défendre, putain. Voilà, toi, t'as tout compris, c'est bien. Allez, lui, il est mort. Il est mort, Doria. Doria, je vais... Voilà, reste par terre. Oh, ça s'embrouille sur le côté. Premier embrouille entre Doria et moi. C'est parti. Tackle. Et oui, le tac. Si je fais un tac pour que tu récupères la balle, c'est pas pour que tu dégages au loin derrière, quoi. Mais oui, Doria, t'es où? Mais vous êtes où, la défense? Moi, allez. J'ai un vieux pied gauche, j'ai un vieux pro à 68 de général. Ne m'en voulez pas, les gars. Je fais comme je peux, mais voilà, on se crée quelques petites occasions. On se crée quelques petites occasions. En tout cas, la défense de Marseille est très très dure à passer. Pour une fois que j'étais passé, le match est serré tout de même. Le match est serré. Mi-temps. Match très très tendu. Paris qui fait un partout face à Lorient. Le Stade Rennais face à Nantes, un partout aussi. Le LOSC 0-0. Victoire pour l'instant à la mi-temps. Déviant ton nom Gaillard. Monaco 2-0. On s'en fiche un petit peu, à vrai dire, des résultats des autres. Pour l'instant, on est 14e, donc on regarde que nos résultats. Imboula qui rentre à la place de Lemina. Ça va être un peu plus tendu au milieu de terrain, je pense. Hein, avec Imboula. Pour l'instant, Marseille n'est pas très très dangereux. Hein. Le truc, c'est qu'on sait très bien qu'une occasion, un but, quoi. Mais pour l'instant, ils sont pas très très dangereux.
La plus grosse occasion, elle est pour nous. Et puis, j'ai pas cadré, pied gauche. Donc, je sais même pas si j'aurais pu cadrer, même pied droit. Alors, pour vous dire. C'est quoi les mecs? Mouillez le maillot, s'il vous plaît. Sérieusement, là. On va se le prendre, le but. C'est sûr, si on recule, on fait rien. J'ai mes joueurs en plus de ça, quand on relance, ils foirent des contrôles, ils foirent des passes, on n'est pas sérieux là. C'est 1-0 pour Marseille. C'est pour qui ça? C'est pour qui cette touche? Je cours vers toi, tu patientes et tu me la mets dans les pieds. Une touche, ça se met dans les pieds, pas au niveau de la tête ou de la poitrine. Oh là 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 là, les gars, bien joué ça. Ça c'est bien joué. Allez, je vais arrêter de vous engueuler, je vous adore. Tu m'as vu, elle est belle, le contrôle de la poitrine, fuck. Oh là là, il y a une boule là qui revient de nulle part. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est bien tenté, t'as failli cadrer, mais pourquoi tu tires? Pourquoi? Explique-moi. C'est vrai, on n'a pas tiré encore une seule fois en deuxième période. Fallait tirer. Hop, bien joué les gars, bien joué. Ils sont pas bien, ils sont tous dans leur camp là. C'est maintenant qu'il faudrait marquer, même sur un cafouillage. Oh là là, les frappes qu'il leur envoie dans les jambes. Une bonne passe, oui. Mais oui. Oh, je la voyais dedans. Oh, l'action était belle. Ça flirte. Oh là 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 là, je sais même pas, ça aurait dû toucher le poteau presque. On aurait pu marquer, ça aurait été magnifique. Allez Koulibaly, tu viens avec moi. Regardez, il y en a deux devant, on est trois là. On est en ultra off, on n'a rien à perdre. Allez, monsieur l'arbitre, laissez-nous un peu de temps, on peut égaliser. Qu'est-ce que tu fais toi? Mais qu'est-ce que tu fais toi? Défaite 1-0 face à Marseille. Marseille a été très très réaliste. Marseille, c'était un match serré. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus subir face à Marseille. Malheureusement, on n'a pas réussi à égaliser, à aller chercher ce but égalisateur. Ouais, on n'a pas cadré une seule fois. Pourtant, il y a eu des grosses occasions. Ça passe vraiment pas très très loin. Mais on n'a pas réussi à cadrer. Donc, partant de là, on peut pas gagner un match si on ne cadre pas. Victoire de Marseille 1-0. Victoire de l'AS Monaco, 4-1. Paris qui a fait 2-2. Et puis là, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout en championnat. Même si, bon, c'est vrai qu'on a, on peut pas gagner de points, logiquement, face à Marseille ni Paris. Face à Paris, on a arraché un match nul. Face à Marseille, on a perdu. Et là, au niveau du classement, au niveau du classement, voilà, on est juste en dessous des trois relégables. Donc, on est 17e. Va vraiment falloir se taper pour remonter dans ce classement, faire une petite série d'au moins 3-4 matchs, 3 victoires consécutives, quoi, ça serait bien. En tout cas, j'espère que vous allez continuer à me soutenir dans cette carrière pro, j'espère que vous kiffez toujours autant la carrière pro. On va faire un petit calendrier pour voir ce qui nous attend dans la prochaine vidéo, Bordeaux. Bordeaux, ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut peut-être aller faire quelque chose. Lorient, c'est à notre hauteur. Ensuite, on a un match de coupe. Ok, donc ça, laisse tomber, c'est avec l'équipe de France, je vais pas être sélectionné. Ensuite on va avoir un match face au FC Metz. Face à Metz, franchement, on peut faire quelque chose. On peut largement faire quelque chose. Après c'est toujours pareil, il faut voir au niveau de la compo. Faut voir si vraiment mes coéquipiers en veulent. Franchement, le match face à Marseille en deuxième période, on était beaucoup plus haut. Après peut-être parce qu'on perdait, donc logiquement l'entraîneur a dit allez, on se met en offensif, on n'a rien à perdre. Mais tu n'as pas été retenu dans l'équipe pour le match d'aujourd'hui, d'accord. Donc on peut le simuler de tous les cas de figure. Donc on va simuler le match face à Bordeaux, j'espère qu'on va le gagner. S'il vous plaît les gars, les 3 points, ce serait magnifique. Ça va être compliqué. Cette saison va être très très compliquée. Là du coup, on va être relégable. On est où? Non? Non. On est toujours... on est toujours 17ème. Meilleur goal average que le stade de Reims. Donc, on s'en sort pas mal. Mais pour le coup... tu n'as pas été retenu dans l'équipe. Attendez, mais il se passe quoi? Pourquoi je suis plus retenu? J'ai 100 d'énergie. Il se passe quoi? Tu n'as pas été... Bah, on simule. Mais je comprends pas pourquoi il me retient plus. Pourquoi c'est Koulibaly, là, en attaque, là? C'est moi le numéro 9 de l'équipe, normalement.
Voilà, victoire 1-0 en plus. Ah non, j'allais dire c'est Koulibaly. Non, c'est bon. Victoire 1-0, bien joué les gars. Bien joué. Attendez, je vais plus être sélectionné ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On avance. Là, je pense que coach, j'ai repris des forces. Hein. Je suis pas blessé, j'ai 100% en forme, je pense que je suis bien. Par contre, j'ai toujours 68 de général, j'arrive pas à augmenter. Hop, continuons, on continue. Donc là, forcément, il n'y a pas de match puisque ça va être les matchs face à... les matchs avec l'équipe de France. Et là, on arrive directement. Tu n'as pas été retenu. Attendez, est-ce que vous avez une explication? Pourquoi il ne me retient plus dans l'équipe, là? Je comprends pas. Il me fait plus jouer. On est 16e, le coach ne veut plus me faire jouer. Je vais sauvegarder ici, on va arrêter là. On verra dans la prochaine vidéo. Ouais, j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que j'ai fait des mauvais matchs? J'ai pas l'impression d'avoir fait de si mauvais matchs que ça. En note moyenne, je respecte la note moyenne qu'il m'a demandé par match. J'ai pas fait de passe décisive, mais j'ai quand même marqué 3 buts. C'est plutôt pas mal. Et puis, pourcentage de buts par tir, je suis au-dessus. Donc voilà, j'arrive pas trop à comprendre, mais voilà, on verra ça dans la prochaine vidéo, donc c'est-à-dire vendredi prochain. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire pour continuer à me soutenir avec ma carrière pro avec le RC Lens. C'est un peu compliqué, je vous l'avoue, mais pour l'instant, on s'en sort bien. On s'en sort bien dans le sens où on n'est pas relégable. On est une équipe qui vient d'arriver en Ligue 1, donc même si Lens est très très connu, je veux dire... En France, on vient de remonter en Ligue 1, on s'attend pas non plus à finir 7e ou 5e. Mais moi, j'ai l'objectif de finir dans la première moitié de tableau. Donc j'espère être titulaire déjà, parce que là, ça m'inquiète un peu. Je verrai bien dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous dites que je vais peut-être plus jouer de la saison, peut-être que le coach s'est dit, voilà, il a 68 de général, et puis il y a meilleur que lui. Parce que... Attendez, on va aller voir tout de suite Koulibaly là. Moi, j'ai 68 de général. Forme mauvaise. Je suis en mauvaise forme, d'accord, ok. Fallait comprendre pourquoi. Koulibaly, il a 68 et il a moins 1. Il a 33 ans, le type. Non, là, je dois jouer. Je suis désolé, je dois être titulaire, normalement. 8 matchs, 3 buts. Bon, bref. C'est pas grave. C'est la fin de la vidéo. Comme je disais, j'espère que vous avez apprécié. Dans la description, il y a mon Twitter et mon Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi prochain, pour la suite de la carrière pro. Ciao, les gars. C'était Flo Nox aux manettes.